À la bibliothèque Roland Plaisance d'Évreux, qui est en fait la bibliothèque tête de réseau du réseau de lecture publique d'Évreux. On a un fonds à peu près de plus de 200 000 documents, tous supports confondus. La spécificité qu'on a, c'est un fonds qui est présent aujourd'hui qu'à Roland Plaisance, mais qui est en train de s'étendre aux médiathèques de quartier, c'est l'Artothèque. Tout hébroïcien peut emprunter deux œuvres, deux estampes, gratuitement. À la bibliothèque, on conserve environ 80 000 monographies. À côté de ces monographies, on a environ un fonds de 8 000 documents iconographiques. Alors ça va de l'estampe, à la photographie, aux cartes et plans. À cela, on ajoute à peu près 350 manuscrits, dont 150 médiévaux, et puis 900 titres de presse. On a énormément de collections de presse ancienne locale qui ne sont plus conservées ailleurs que chez nous. Avec toutes les problématiques que ça pose la conservation de la presse ancienne, puisqu'on est sur des papiers très acides, très cassants. Et pour moi, c'est vraiment le fond qu'il faut valoriser dans les années à venir et qui est une mine pour les chercheurs et les historiens. Normandie Livre et Lecture est venue nous accompagner sur le signalement des manuscrits en 2021, notamment Marie Leroux qui est chargée du signalement des manuscrits. La plupart de nos manuscrits étaient déjà catalogués, mais n'étaient pas forcément signalés au catalogue collectif de France. Donc elle a pu reprendre nos notices pour les intégrer au catalogue collectif de France et surtout travailler sur cette collection d'archives d'Alphonse Chassan qui, cette collection n'avait pas du tout été cataloguée ni signalée. En fait, on avait un inventaire, uniquement un inventaire, donc elle a pu le transformer pour le rendre accessible au CCFR. C'est un fonds très important pour l'histoire de la ville, puisque Alphonse Chassan, c'est un érudit local qui est né en 1808 et qui est décédé en 1907, qui a surtout touché à tous les patrimoines de la ville. Il a été tour à tour bibliothécaire, archiviste, conservateur du musée. Donc il a, tout au long de sa vie, constitué des milliers de fiches d'archives sur l'histoire de cette collectivité. Ça, c'est une petite peluche qu'on a créée cette année, en 2022, pour parler en fait des patrimoines d'Évreux, dans le cadre notamment du label Ville d'Art et Pays d'Histoire. Pour nous, c'est très important d'avoir ce symbole, puisque c'est des fonds qui ne sont pas connus des hébroïciens, et pour autant, c'est vraiment une mine d'informations. Et surtout, c'est un dispositif de médiation qui est important pour nous, parce que ça permet de fédérer le jeune public pour qu'il puisse s'emparer de son histoire. 2023, pour Évreux, ce sera l'année du patrimoine. On va inaugurer un centre de documentation sur l'histoire de la ville, qui est aussi la salle de consultation de la bibliothèque patrimoniale. Et cet espace s'appellera l'espace Alphonse Chassan, pour lui redonner en fait toute la place qu'il a au sein des collections de la bibliothèque. On va vraiment entrer dans la phase 2, si je puis dire, de la candidature au label Ville d'Art et Pays d'Histoire. Ça va permettre vraiment aux hébroïciens de s'emparer de leur patrimoine et d'être fiers d'être hébroïciens.